pulami! Pulami! Vérité! Pulami! Violence policière! Assez! Assez! Impunité policière! Assez! Assez! Violence policière! Assez! Assez! Crime policier! Assez! Assez! Le 17 juin 2007, entre 4h et 4h30 du matin, c'est ici même que Lamine a été étouffée par les policiers, alors que ses mains et ses pieds étaient entravés. Plus de 5 policiers se sont agenouillés sur Lamine, jusqu'à ce qu'aux morts s'en suivent. Chaque année, cela fait 4 ans, que lorsque nous arrivons ici, nous appelons les résidents, que nous lançons un appel à témoins pour connaître toute la vérité. Alors je répète notre appel. Vous qui habitez dans ces bâtiments, qui avez peut-être assisté à la scène où Lamine a été tuée, nous vous implorons, nous vous appelons, mettez-vous à notre place. Elle est là, elle est là. Je suis là, oh. Là. Nous vous redemandons encore une fois d'apporter votre témoignage pour que la justice soit faite. Nous ne demandons rien de plus, rien de moins que la vérité et la justice. C'est un être humain qui a été tué, pas un animal. Il mérite la dignité, comme chacun d'entre nous. Nous allons nous recueillir, prier pour Lamine et pour toutes les autres victimes de violences policières. Comme chaque année, je le répète non-stop, une quinzaine de personnes perdent la vie entre les mains de la police. Aucune d'entre elles n'est armée. La police étant formée pour interpeller les gens sans qu'elles meurent, personne ne doit mourir dans les fourgons de police ou dans les commissariats. L'année de la mort de Lamine, personnellement, j'ai comptabilisé 19 personnes tuées par la police. Il faut que ça cesse. Nous voulons la justice pour les victimes défuntes. Nous voulons la justice pour les victimes blessées. Nous voulons la justice pour les familles meurtries. Et nous voulons surtout assurer la sécurité pour la jeune génération et pour nos enfants. On ne doit pas courir le risque de mourir en croisant la police. On nous dit que la police est là pour nous protéger. Pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas été protégées par la police? Pourquoi sont-elles mortes? Ces questions ne sont-elles pas légitimes? Si vous avez vu ou entendu quelque chose cette nuit du 17 juin 2007, faites-le savoir. Rendez votre témoignage public. Rendez votre témoignage au juge qui est en charge de ce dossier. Nous avons, nous, familles de victimes, besoin de savoir ce qui s'est passé, besoin de connaître la vérité. Nos manifestations, ce n'est effectivement pas dans le but de ramener à la vie ceux qui sont déjà morts, parce qu'évidemment c'est impossible, nous l'aurions déjà fait. Ce que nous essayons de faire, c'est de sauver des vies. Et les vies en question, mon père vous l'a dit également, il s'agit de la jeune génération. Et parmi nous, il y en a. Ils sont nombreux, ils sont conscients du danger et mobilisés avec nous depuis 4 ans. Chaque année, ils marchent avec nous. Et nous voulons leur assurer un avenir sécurisé dans les rues. Qu'ils ne se fassent pas contrôler à n'importe quel point de rue et que ça leur coûte la vie. Voilà. Donc,
je rappelle que Lamine était seul, encore une fois, qu'il n'avait pas d'armes, qu'il n'avait commis aucun crime, que ses mains étaient menottées, que ses pieds étaient attachés avec un ceinture de contention en cuir, qu'il n'a jamais pu se mettre debout, qu'il était maintenu au sol, face contre terre, par 5 policiers agenouillés sur lui pour l'empêcher de se redresser. En conséquence, nous exigeons que toute la lumière soit faite et que justice soit rendue à Lamine. Une justice à la hauteur du crime commis, nous exigeons la juste réparation de ce crime. Comme vous le savez, Lamine n'est malheureusement pas la seule victime des violences policières. Il y a aussi Abdelkim Hajimi, Aboubakari Kandia, Mamadou Mareka, Michael Cohen, Ali Ziri, Baba Traoré, Fethi Traoré, Louis Mendy et tant d'autres encore que nous n'oublions pas. D'après le recensement de M. Maurice Rachmus, le seul à faire son travail en France depuis 1968, de 1977 à 2001, il y a eu 196 morts par les faits des policiers, recensés par la presse. En majorité, il s'agissait de mineurs, d'origine maghrébine ou noire, des garçons tués d'une balle dans le dos. De 2002 à nos jours, il y a eu 80 morts. Cela fait en moyenne 13 à 15 morts par an. Les policiers ne sont pas au-dessus des lois. Ce sont des justiciables comme nous tous. Et tous les criminels, quel qu'il soit, quel que soit le métier,